Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Robocraft. Donc on part en Battle Arena, classique. Hop, je fais juste une petite pause un instant. Voilà, c'est ce que je crois que j'avais le compteur de FPS qui apparaissait. Alors. Donc on refera pas du mode à la con là. Le mode à la con, le mode à la con, le mode à la con. The Pit. Parce que ça ne vaut rien, c'est de la merde en boîte. D'ailleurs, je vais le dire, The Pit, merde en boîte. Voilà. Qui osera me dire le contraire ? Oh bah putain. Les parties vol de frag, c'est bien. J'aime cette génération. Vol de frag, c'est bien. J'aime cette génération. Enfin bon. At skiller, c'est de la merde. Voilà. Voilà, je rage encore. Ça plaît à certains de toute façon. Bon. Oula, il est toujours en magnifique mon... Ou en fantastique, mon comment mon Robocraft. Je trouve qu'il est vachement pixelisé d'un coup. Oula là, je trouve drôlement moche mon Robocraft. Alors qu'on aille voir ça. On peut pas aller le voir là. Hop. Alors. Voilà. Voilà. J'ai l'impression de tout faire. Je vais me rentrer parce que j'étais spotted. Voilà. Pouf. Alors ça, qu'on m'explique. En début de partie, se faire one shot, c'est pas normal. Là, je comprends pas. Putain, j'ai l'impression de bosser pour rien. Tiens, bouffe. 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 Quoi, zéro? Mais il a même pas... Le physique de son... Mon vaisseau ressemble à rien. J'exige une vengeance. Ah oui, d'accord. Tiens, bouffe. Je me pose sur toi. Allez, bouffe. Bouf. 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 Putain, j'ai plus rien. Ok. Putain.
Zigzag, c'est quoi zigzag? Ouh, je déteste ces bouboules à la con. Je déteste ces bouboules à la con. Putain, et puis on a des joueurs qui jouent pas. Ouais, deux en moins. Deux en moins. Putain, le jeu vient de commencer. On est à 3 minutes de jeu, on a déjà deux joueurs en moins. Allez, crever. Toi, avec ta SMG de merde, va crever aussi. Putain, mais ils m'ont enlevé 10% de points de vie à cette vitesse-là, quoi. Et il est là. Ramène tes fesses. Sac à merde, ramène tes fesses. Mais zéro point, mais paye ce jeu, quoi. Voilà. Mais cherchez pas, il a un point de vécu de vie. Putain, j'ai raté un passage. Zéro. Parce que c'est une Putain, mais je me suis posé dessus, quoi. Voilà. Ouais, encore un. Génial. Bah regardez, ah bah non, on peut pas. Surrender. Mais non, mais qu'il est con. Allez, allez, allez. J'ai autre chose à foutre, moi. Allez. Allez, non, mais j'ai autre chose à foutre. Putain. Va aller crever en enfer. Ce jeu, cette communauté est moisie. Moisie. Je suis désolé. Alors, est-ce que je peux pas faire l'inverse? Putain, non, je les demande en ami, je veux pas les demander en ami, je veux les ignorer. Je veux pas avoir à rejouer. Je veux que quand j'ignore quelqu'un, je n'ai pas à jouer avec eux. Parce que putain, regardez, ils vont pas jouer le jeu, hein. Ils vont d'abord nous péter la gueule. J'ai plus envie. Là, ça me... Voilà. Oh, cool, hein. Bonjour. Ouais, trop cool. Ils font plus les joueurs que le réacteur. C'est écœurant. C'est écœurant. Communauté de merde dans ce jeu, mais dis donc. Incroyable, hein. On bat des records. Voilà, c'est génial. Je me fais chain kill au spawn. Parce qu'on ne réapparaît pas plus loin. Bah non, regardez, on est juste à côté du spawn. Pourquoi réapparaître plus loin? Voilà. Voilà, regardez ça. Bravo, bravo Free Jam. Moi, je vais les laisser parce qu'ils veulent bien finir la partie. Voilà, merci. Merci, 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 merci. Voilà. Allez, on se casse, on se casse, on se casse. J'ai pas envie de voir les trucs, c'est de la merde.
Si votre jeu c'est de la merde, faut le corriger. A chaque fois, vous faites rejeter des trucs de merde à chaque fois. Moi, je vais finir par écrire un mail à Free Jam pour leur dire que leur jeu c'est de la merde. Ouais, génial. Bon, allez, on passe à la SMG. Hop. Quel jeu de merde parfois. Putain. Ah, oh, ça m'écœure. Il y a vraiment des fous, ça m'écœure. Ah, c'est bien pour acheter des features merdiques dans leur jeu, ils sont doués. Hein. Mais alors pour le reste, équilibrage par exemple. Parce que les SMG qui ont une portée égale à un sniper et bah qui au final en une salve font autant de dégâts que lui, voire plus, je suis désolé. Hein. Putain, je suis censé avoir un bot qui fait du bombardement. J'attaque toutes les demi-heures, je vais tirer un tir toutes les demi-heures. Mais non. Non, tu feras moins de dégâts qu'une SMG qui attaque toutes les 3 secondes, toutes les demi-secondes quoi. Ah bah il est en même temps, bah d'accord, bah comme ça c'est pas la peine. Allez. Par contre, si l'autre mou du gland il arrêtait de s'opter pour le DPS qui se mettait à nous healer avant de crever comme une merde. Heal. Merci. Et il vient nous chercher le point. Il vient littéralement nous chercher le point. Allez. Voilà. Je vois même plus qui c'est qui fait quel kill. C'est cool. Donc ça devait sûrement pas être moi. Allez. Ok. Hop. On va aller caper la tour du fond. Hop, tant pis pour les bugs caméra, hein, j'en ai rien à foutre. À ce niveau-là, je suis là pour l'efficacité, chers amis, maintenant. Hop, les. Faut que je vois pour le strafe aussi.
Ok. Voilà. Alors, Limitless est retourné. Bah comme ça, ils se barrent tous aussi. C'est... Oui, je peux comprendre parce que c'est vraiment écœurant. C'est pratiquement pas punitif de se barrer. Donc, bah écoutez. C'est dommage quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais... C'est pas punitif de se barrer. Allons-y. Abandon. Bon bah voilà, comme ça, hop. Ça c'est fait, comme dirait l'autre. Par contre, Chloé, du coup, on va pas gagner grand-chose, j'imagine. Ah si, quand même. 300 000. Bon. Oh, c'est quoi cette interface toute moche? Putain, non, mais arrêtez vos conneries. Voilà, je peux me payer 10 cubes. Non, pas ceux-là. On veut pas de ceux-là. Voilà, 16 cubes. Bim. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom si vous voulez simplement participer à une session de tournage. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.